Salut les Easy Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les paradiddles comme des grooves à part entière. C'est parti! Dans un premier temps, nous allons nous concentrer uniquement sur la mise en place de ces fameux paradiddles. Pas d'accent, pas de fioritures sonores, on va juste utiliser les doigtés comme des rythmes à part entière. Chaque paradiddle sera distribué de la manière suivante. Cymbale main droite, caisse claire main gauche et la grosse caisse doublera le motif de la main droite. Premier exercice avec le paradiddle 1 dont je vous rappelle le doigté. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Exercice 2, voyons comment ça sonne avec notre deuxième paradiddle qui se compose de la manière suivante. Droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche. Exercice 3, on va utiliser maintenant le paradiddle 3, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite. Et pour finir, notre paradiddle 4, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche. Pour ceux qui sont déjà à l'aise avec les exercices séparés, je vous propose un cinquième exercice où cette fois on va enchaîner les quatre paradiddles, deux mesures par deux mesures, dans la même séquence.
Vous verrez que certains paradiddles tombent mieux sous les mains que d'autres, notamment le 1 et le 4. Je vous conseille donc de démarrer par ces deux-là. N'oubliez pas que ce qui prime avant tout, c'est la qualité de la mise en place et non la vitesse qui viendra, rassurez-vous, avec la régularité de votre travail. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez participer au développement de Easy Drumming, je vous donne rendez-vous sur tipeee.com. Le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que toutes les infos concernant ma méthode Ethnorhythme. Et si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Salut les Easy Drummers et à bientôt pour une nouvelle vidéo.